Je suis maître brasseur pour Heineken à la brasserie de Mont-Saint-Barœul. Mon rôle dans l'entreprise, c'est d'être le premier maillon de la chaîne, de partir des matières premières, du malt jusqu'au mou, c'est-à-dire le mélanger à de la farine, le traiter et l'envoyer en fermentation afin de pouvoir incorporer l'alcool. On se trouve ici dans la salle de contrôle pour le brassage. C'est d'ici que je surveille que les étapes se font correctement, que tous les paramètres sont corrects, qu'il n'y a aucun souci de production. On a plusieurs productions en même temps, donc il faut vraiment être vigilant, surveiller ces différents plans, avoir une bière de qualité du début jusqu'à la fin. On est plus maintenant des maîtres brasseurs 2.0. L'innovation est importante déjà pour pouvoir rester à niveau, à toujours avoir la bonne bière de qualité et ensuite pouvoir satisfaire le niveau d'exigence de tous les consommateurs. Ce qui m'a donné envie de devenir maître brasseur, c'est déjà la curiosité. Il n'y a pas un BTS maître brasseur qui existe, par exemple. Donc c'est vraiment avoir un bon formateur, quelqu'un qui aime le savoir-faire brassicole, qui a envie de le transmettre. Et avec l'envie d'apprendre, on y arrive. Une bonne bière, c'est une bière qui a du sens et du goût. Elle doit avoir de la mousse. C'est une bière, quand on la voit, quand on la déguste, on doit forcément reconnaître que c'est une bière. Si je devais conseiller à quelqu'un de venir travailler chez Heineken, je lui dirais que sans nous, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de produit fini, on se sent important.